Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Alors, je vous écoute. Que voulez-vous écoutez, on a un budget de 40 000. Ouais. Est-ce que vous avez une voiture utilitaire pour deux avocats jeunes et beaux comme nous? Performant. Ouais, aussi soyeux, totalement. Après, on ne sera jamais à votre niveau, mais tout de même. Le compliment nous va droit au cœur venant d'une personne dont le charisme est resplendissant et éteint. Resplendissant, je pense que c'est le bon, effectivement. Oui, c'est le bon. Arrêtez de me flatter, je vais rougir. Est-ce que vous ferez une ristourne à mon oncle contre mon numéro de téléphone ou pas, histoire qu'on aille au bowling ensemble une deuxième fois ou... Ah ouais, mais y'a pas besoin de ristourne pour ça. Oh, ah bon? C'est mignon. Bah dis donc. Ouais. Mais non, mais y'a pas de souci, avec plaisir, parce que je vois des gens très sympathiques. Ah bah écoutez, c'est super gentil ça. Oh, mais oui, non, vous inquiétez pas. Bah écoutez messieurs, je me permets de nous présenter du coup. Nous sommes Sterling et Cooper, avocats au gros barreau. Si jamais vous avez besoin d'un jour d'un représentant légal et force d'autorité majeure dans la justice, nous serions ravis avec mon collègue, monsieur Maître Cooper, de vous rendre l'appareil. Oh Sterling. Ah, oh, ça, oh. Ça, oui, très Cooper. Oh, je crois qu'on a fait une grosse bêtise. Il y a donc. Mais notre permis, il faut le refaire dans cette ville, je crois. Négatif, totalement, ouais. Faut le faire tamponner, ouais. Faut le faire tamponner au gouvernement. C'est très rapide. Ah, est-ce qu'on peut avoir un véhicule avant tout de même ou vous pensez que c'est délicat? Et bah honnêtement, vous êtes tellement gentil que je vais vous laisser faire. Oui, non, mais nous respectons la loi. Nous allons pas conduire sans... Vous êtes avocat, donc je comprends que vous respectez. De toute façon, Jean, il me semble que les permis sont directement réimprimés aux États-Unis directement. Oui, c'est ça. C'est juste vu qu'ils ont changé de ville, il faut juste tamponner d'accord, les cartes. D'accord. Bah nous irons de ce pas. Du coup, par la suite, est-ce qu'il vous faut un véhicule 4 places ou 2 places? Oh, 4 places. 4 places. Très bien, pour 40 000, je check vite fait mon ordinateur, le logiciel, bien et bien je me suis à vous. Plus un véhicule luxueux ou plus un véhicule... Non, modeste. Modeste, oui. Pour des gens modestes. J'imagine un SUV, j'imagine plutôt. Oh oui, c'est bien ça, SUV. Après, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est un Grandeur. Véhicule très très pratique, utilitaire, 30 000. Il est beau, il est pratique, il est pas trop gros, on reste quand même tout de même... Humide. Pas qu'on soit flashy. Non, après, en vrai de vrai, là, j'ai une petite berline de type fugitive. Oh, fugitive, dites-vous. Ah oui, ça aussi. Fugitive, c'est-à-dire que ça s'est échappé, non? Non, c'est juste que sa conduite, elle est un peu... Alors, aux yeux de la loi, le fugitif est considéré comme quelqu'un qui ne répond pas à un impératif disciplinaire et juridique. Oui, d'ordre juridique et qui est donc recherché juridiquement. Sterling, par... on achète juste une voiture, calmez-vous. D'accord. Monsieur, vous m'excuserez, c'est juste que... Est-ce que vous pourrez remettre votre clavier un peu plus droit? Parce que tout ce qui n'est pas aligné... Ouh là, bah attendez, descendez, voyons. Ouais, c'est de le faire avec les pieds, désolé. Voilà, ne vous énervez pas, il n'y a pas de soucis. C'est juste que j'aime bien quand c'est droit, quand les choses sont droites. Oh, bonjour monsieur, enchanté. Oh, monsieur policier. Je vous présente mon patron, monsieur les avocats. Ah bah enchanté monsieur. Écoutez, j'aurais dit policier, moi. Je m'appelle Rick Cooper et voici mon co-avocat, évidemment, monsieur Marty Sterling. Enchanté, il me semble qu'on a vu une affiche de vous dernièrement. Oh oui, je me suis permis de... Ah oui, je t'ai pas dit Sterling, je me suis permis de me mettre dit... à Instagram. Voilà. Oh, modernité. Exactement, on vise la modernité cher avant Cooper. Tout. Ben oui, mais bien on a sûr, déjà beaucoup d'histoires à régler quand même ici. Bien sûr, tout à fait. Il y a beaucoup d'affaires qui traînent en suspens dans cette ville, il paraît. Oui. Oh, je ne vous cache pas qu'à peine descendu de l'avion, on était déjà un petit peu... Dans un coffre. Oui, c'est le cas de le dire, dans un coffre. Et bah, vous savez quoi, pour vous, j'ai un petit Rocoto en SUV qui est plutôt pas mal. Oh, j'aime bien le Je vous laisse trouver votre petit bonheur. Merci beaucoup monsieur. Merci. Un Rocoto, est-ce qu'on peut... C'est un peu un Pokémon. Comme un peu un Audi Q7, vous voyez. Oh, oui, je vois, ça, c'est allemand, ça, dites donc. Ouais, c'est un peu ça, ouais. On va avoir une Audi. C'est plutôt la marque américaine, un peu. D'accord. Il me faudrait juste une pièce d'identité, s'il vous plaît, pour la carte grise. Tu t'en occupes, mon petit Sterling? Non, pas du tout. D'accord, je vais m'en occuper, alors. Et voici pour 40 000 au lieu de 45 000. Ça va, oh là, un peu de 5 000, c'est pas mal. C'est très aimable.
C'est... Tu veux que je paye la moitié? Je dois aller à la banque, monsieur. C'est ça? Non. Vous avez juste à payer avec la. C'est payé. Exactement. Oh bah dis donc. Voilà, en sterling, vous me devrez 20 000. Hein. Oui, je te donnerai la moitié. Je te donnerai la moitié. Ne bougez pas. Je dis juste à mon collègue de sortir le véhicule. Bougez pas, je vous donne les clés. Super, merci beaucoup. Comme on dit, les bons amis font les bons comptes. Et ils sont très gentils dans cette ville, même si. Très aimables. Tous quelques petits problèmes à gauche à droite. Oui, a priori, je pense qu'on a choisi la bonne filière. Oui. Voici, monsieur Cooper. Et ben c'est bien reçu, monsieur. Venez, je vous accompagne à votre nouveau véhicule. Parce que moi j'aurais droit d'avoir les clés quand même. Il peut vous les prêter, mais il faut que vous les rendez chaque jour en fait. Oui. Oh Sterling, vous inquiétez pas, vous serez toujours à mes côtés. Oui, j'espère bien, parce que je ne conduis pas, moi. Je conduis pas. Oh, j'ai déjà dû te sortir d'une belle affaire la dernière fois que tu as conduit. Oui, n'en parlons plus, s'il te plaît. Oui. Le passé est dans une autre vie. Et voici votre petit bijou. Oh, eh ben écoutez, je ne suis point déçu de ce véhicule. Oh là là, mais quel... Mais c'est de toute beauté. On ne se fout pas de la tête de nos clients. C'est effectivement, monsieur. Oh là. Très satisfait, dites donc. Hein. Oh lolo, c'est un très beau véhicule, ça. Et le coffre est très bien, tu m'entends? Oui, je t'entends, Sterling. Le pas besoin de crier, dites donc. Bah oui. Je ressors. Oui, il faut ressortir. Allez. Le coffre est écoutez, très bien. Merci beaucoup, monsieur. Mais c'est avec plaisir. Et je me permets de poser cet hachet et de vous serrer la main. Merci à vous, monsieur. De même. Et puis, au plaisir de refaire affaire. Et si vous avez besoin d'avocats tels que nous, est-ce que vous voulez notre numéro ou... Oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais après, si vous voulez, on peut se reparler à la soirée. Hein, si vous allez à la soirée. Effectivement. On se retrouvera à la soirée, monsieur. Voilà. C'est avec plaisir. Juste pensez juste à dire à votre garagiste personnel de faire un petit dernier check-up. Ok. Très bien. D'accord. Merci et beaucoup. C'est juste votre petit porte-clés de la marque Ultimatum. Et puis on est bon. D'accord. Ok. Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Et c'est incroyable ce service. Elle est magnifique. Elle est vraiment d'une beauté. Oh, je ressors parce que j'en suis choqué. Je suis choqué. Ouais, je sors parce que je veux pas l'abîmer. Voilà. Allez, tu peux revenir. Bien joué, Cooper. Eh ben, très sympa. Oh, en tout cas. Si j'avais su qu'on aurait une si belle auto dès notre premier jour en ville. Oui. Voilà. Oh putain, enfin. Excusez-moi. Un 0 qui fait 1 qui finit à 4. J'ai une question un petit peu fantaisiste. Comment fermer mon véhicule? Vous m'avez donné de belles clés. C'est le porte-clés de la marque Ultimatum. Très bien, merci beaucoup. Oui, d'accord, merci beaucoup. Passez une bonne soirée en tout cas. Effie, est-ce que tu viens, Effie? Non, elle reste avec moi. D'accord, ok. Non, parce que c'est ma nièce, alors si vous voulez l'emmener, attention quand même. Ah, c'est une histoire de famille, ça. D'accord. De quoi tu parles? C'est très bizarre ce qu'il a dit. C'est très fort. Mais que se passe-t-il? Allô? Que se passe-t-il? Dites-moi. Attendez. Raccrochez, filmez donc cette scène. Attendez, Sterling. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Raccrochez pour filmer cette scène, voyons. Cooper, ils m'ont pris pour une chèvre. Que se passe-t-il, dites donc? Oh là là, Qui c'est qui a frappé ma femme, là? On ne frappe pas mon collègue, enfin. Qu'est-ce qui m'a frappé aussi? On m'a frappé, on nous a collé. Mais, oh merde. Oh là là. Il aura besoin d'un bon avocat, mais avant tout d'un bon chirurgien. Je suis témoin. Delete tweet. C'est quoi? J'arrive pas à remettre mes lunettes. Je ne vois rien. Attends. Ah bah cette ville est bien mouvementée, dites donc. Voilà, je les remets. Et bien sûr. Heureusement que j'ai toujours une paire de chichin en plus dans ma poche arrière. Je pense qu'il s'agit d'un delete tweet. Oh, clairement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mon frère. J'aurais même une usure passante d'identité qui s'est passée. Oh là là! Oh, dis donc! Madame, s'il vous plaît. Oh, ce jeune homme était très gentil et agréable au début. Alors, j'ai eu ta... Écoute-moi, Cooper, que se passe? Oui, je sais pas ce qui se passe. Cooper, j'ai eu Tanaka, il est plus à la fête, il est à l'agence immobilière. Eh ben, on arrive. Hein. Mais je ne sais pas où est l'agence immobilière. Je vais appeler ma nièce, je ne la reconnais pas. J'ai mal au crâne. Oui, allô? Oui, ma petite Effie, t'es où? Bah, je suis juste là, j'étais au téléphone. J'ai plein de trucs à gérer ce soir. Ah, tu peux venir ou pas? Je suis là. Il y a une grosse bagarre tout de même devant là. Hein. Fais attention à toi. Hein. T'es marché d'ailleurs sur un cadavre tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. On devrait peut-être raccrocher, non? Oui, ça serait peut-être une bonne idée, à non? À tout de suite. Quoi? À tout de suite. Oui, non. Oh, ma petite nièce! Je connais quelqu'un qui connaît. Elle est déjà là. J'ai des embrouilles. Oh, bah, tu me racontes. Ça te dirait qu'on aille à la chasse? On se rejoint là-bas. Il se passe beaucoup de choses dans cette ville, hein, qui sont un peu hors de contrôle, j'ai l'impression. Oui, énormément, ouais. Très bien. Le monsieur nous attend. Ah, JJ est là, c'est bon. Ok, on y va. On y va, allez.
cascade. Oula, ça fait longtemps que j'ai point fait de cascade. On va où là? On va à l'anniversaire de Bragédan? Attendez, s'il vous plaît, monsieur, calmez-vous, je ne vous connais pas, vous êtes dans mon véhicule. Monsieur Sterling, est-ce que vous pouvez mettre sur le GPS? Oui, bien sûr, bien sûr. S'il vous plaît, l'agence immobilière. Bah, comment ça, vous me connaissez pas? Je suis là, chercher de. Oui, je vous connais, mais s'il vous plaît, vous êtes dans mon véhicule. Effie, peux-tu t'occuper de ce jeune homme qui a l'air très gentil? De qui? De JJ? Oui. Il peut pas venir avec nous? Le vendeur de chips, mais si, il peut venir. Alors, je comprends pas, j'ai pas le droit de faire quoi là? Non, juste qu'il soit peut-être un petit peu moins bavard. Ah, vous voulez que je ferme ma gueule? Non, il non, c'est juste. Bahamas. Au Bahamas, oui. Il est là-bas. D'accord. C'est juste que j'ai 100 dollars et moi je n'ai plus rien. J'ai pas mon permis, monsieur. Oui, on va peut-être. Ouh là là, attention, j'ai vu un bus. Ouh là là, est-ce que je peux me garer quelque part de manière. Oui, devant, normalement, les gens se garent devant comme. De manière légale. Ne fais pas comme les gens, ne fais pas comme les gens. On fait pas comme les gens de cette ville tout de même. Oh, c'est une place de parking, ça, non? Ben oui. Alors attendez, on serre un petit peu. Recule, avance un petit peu. Oui, c'est bon, Sterling. Non, attends. Là, c'est bon, Sterling. Voilà. Sterling. Top. Parfait. On est fait. Tu peux rouvrir, j'ai oublié ma manette. Oh non, c'est bon. Et hop, on fera 100, moi je l'ai pris. Ah oh, bah tiens, prends par la fenêtre. Tu vois, elle était dans la tienne. L'agence, elle est là-bas. Hein. Ah, allons-y. Là, c'est un bar. D'accord, je me disais qu'il y avait une bonne musique dedans. Boule, c'est une banque, ça. Bah oui. C'est marqué Mass Bank. Non, c'est l'agence immobilière ici. Donc l'agence est une banque. Non, en fait, l'agence est un bâtiment juste collé à côté à la banque. Oh, Sterling, un petit effort, voyons. Oui, bien sûr. Ah, oh, mais juridiquement, normalement, on n'a pas droit de. Mais bon, c'est pas. Et vous venez pourquoi là Pour acheter du point pour du acheter. Eh ben, local, ma chère. Tu vois bien que sinon, nous sommes à la rue, les filles, tout de même. Ah, mais dans ce cas-là, vous devez aller voir le gouvernement pour voir pour avoir un bureau. Bah, ils m'ont dit de venir ici, dis donc. Oui. Mais je suis une grande amie du président, je vais l'appeler. Ah, monsieur, avec la malade là, t'entendais faire juste un petit cachet. Monsieur, on vous dira pour monsieur, vous s'il vous plaît, demandez laissez une grande personne. Un peu de respect, s'il vous plaît. Et vous quoi respectez Dieu. Pardon, plaît-il? Oui, allô. Vous me prenez pour qui, en fait, là? Eh ben, pour quelqu'un qu'on va aider bientôt, non? Bah, c'est non, pas, c'est pas vous qui me l'avez dit? Bah, tout de même. Bah, non, mais moi, je croyais que vous étiez là pour investir et me donner des idées pour mon entreprise de patates. Mais vous êtes pas dans une entreprise de patates, vous êtes dans une entreprise de chips, monsieur. Monsieur, dites-moi, la chips, c'est fait comment, monsieur? Oh, bah, écoutez, il y a des chips de légumes. Excusez-moi, mais. Bah, ouais. Ah, putain, mais c'est grave. Oh la vache. Vous allez bien? Mais oh, bah, vous, comment allez-vous? Quand une créature tombait du ciel. Oui. Donc, je voulais vous demander, il y a mon tonton. Quelque chose? Il y a mon tonton qui vient d'emménager à Los Santos. Écoutez, et il est avocat, donc cherche un bureau. On attend la fin de la conversation. Oui, oui, parce que sinon on s'entend. Oui. Attendez, ouais, je comprends pas qui vient de me parler là. Oui, c'est nous. Allô? Nous, madame. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur? On a besoin de votre numéro de téléphone, si je ne m'abuse. Pour l'agence immobilière. Pour l'agence immobilière. Si, vous avez besoin d'un rendez-vous maintenant? Oui, tout de suite. Allez-y, montez. Allez, montons. Et Fille, vous nous attendez là? Vous nous attendez là ou pas? Ouais, je viens avec toi. J'ai le numéro pour demander un bureau. Moi aussi, je viens. Monsieur Laïs, vous venez? Ok. Bon, écoutez, c'est un rendez-vous professionnel Attendez, juste ça, voilà. Voilà. Donc, comme j'expliquais à madame, nous recherchons des locaux actuellement pour pouvoir exercer notre fonction d'avocat au gros barreau. Commis d'office. Ok, très bien. Bah, j'ai plusieurs choses à vous proposer. Vous avez un secteur particulier ou je suppose que vous voulez être près? La justice. Notre secteur, c'est la justice. Ok, très bien. Alors, attendez. La loi, madame. Je vérifie ce que j'ai. Est-ce que vous avez près du commissariat tout de même? Parce que c'est qui t'a m'étonné. Tant qu'à faire, c'est vrai. Les bureaux les plus proches que j'aurai près du commissariat, c'est pas loin de la place des cubes. C'est juste à côté en soi. Oui, je vois, je situe. Quand on est passé devant en coffre, je voyais un petit peu. Bah écoutez, on peut aller visiter si vous le souhaitez. Monsieur. Ah bah avec plaisir, qu'en penses-tu, Effie? Écoutez, je prends pas de décision sans ma nièce, Effie. Madame, dis-nous tout. Vous voulez qu'on aille visiter? Attendez, elle est très concentrée. Non, j'ai des problèmes, tonton, tu le sais. Je suis perturbée, des problèmes sentimentaux. Un problème de chez. Maniaco-dépressif, là, je dirais même. Allez, suis-nous. Bon, est-ce que tu nous conseilles d'aller visiter cette ouais, demeure? Ben, si tu savais, papa, qu'il a un cancer, peut-être que tu serais... Pardon? On n'annonce pas les choses comme ça. Oui. Voyons, on est dans une agence immobilière, on n'annonce pas ça comme ça. Parce que moi, je suis en train de craquer, en fait. Bon, allez, suis-nous. C'est pas le moment. On va visiter un petit local. On en parlera demain. J'ai quand même entendu deux mots tout de même désagréables. Ne l'écoute pas, elle veut faire son intérêt. Oui. Tu sais ce que c'est, les enfants? Oui, bah oui. En plus, elle a eu 15 ans hier. Je te raconte pas, non? 25 ans peut-être, je ne sais plus. Ok, vous êtes venu en voiture? Oui, bien sûr. Oui, oui. Ah, parce que malheureusement, on vient de me voler ma voiture. Alors nous sommes avocats. Ça va être compliqué. Figurez-vous que nous sommes avocats et qu'on va pouvoir vous aider. Mais le problème, c'est que du coup, on va pas pouvoir y aller à pied. Non, mais nous avons un véhicule, madame. Ah oui. Ok, bon, bah perfecto. Alors on va y aller en. Et on nous l'a pas volé celui-ci. Allez au véhicule, j'arrive tout de suite. Écoute, ma petite Effie, je vais aller voir ce petit local, d'accord? Essaye de te reposer un petit peu et je reviens un peu plus tard dans la soirée, on va discuter, d'accord? Ouais, ok. Allez, calme-toi un petit peu et Laze, calmez-vous tous, d'accord? Moi, c'est JJ, machin. Oui, donc, JJ. Enchanté, déjà. Vous pouvez me faire un petit
câlin. C'est Ricoupe. Non, ça va, les monsieur. C'est ça. Non, oui, oui, j'adore les câlins, mais faites un petit câlin. Et puis, mais pas trop près. Pas trop près. Faites attention à vous quand même avec Effie, d'accord? Ouais, ouais. Bon. C'est marrant, vous me rappelez vraiment mon associé. C'est terrible. Oui. Donc, calmez-vous un petit peu et Effie, calme-toi aussi, d'accord? Comment ça, calme? Allez, et arrête de traîner dans des trucs bizarres. Comment ça, des trucs bizarres, tonton? Bah, je sais pas, tu m'as dit une révélation un peu choc tout à l'heure. On en parlera plus tard. Ça fait une semaine qu'il a disparu, tonton. C'est ça que je te pèse. De qui a disparu? Papa. J'ai déposé un avis de recherche, ça avance pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh. Bon, écoute. Je sais que tu l'aimais pas, mais quand même. Oui, on va en parler, d'accord? Ça sera peut-être notre première affaire. Attends, elle n'aime pas son frère? Bon, allez, à plus tard. Ouais. Bon, on va voir, j'ai. Et faites attention, hein, je te recontacte dans pas longtemps. Ok. Allez, montez. Camilla, eh ben, ravi de vous rencontrer, Camilla. Eh ben, de même. Eh ben, la quelle entrée? Oh, j'aime pas trop ces sièges. Attendez, je. Montez devant, madame. Ah, bah, dis donc, ça s'est fermé. Oui, c'est une nouvelle voiture. Ah, il est pas encore c'est bon. Réglé. Oui, c'est bon. Je monte devant pour vous indiquer la route. Oui, montez devant. Bah, la galanterie me permet de. Je ressors, mais je remets. N'hésite pas. C'est est-ce que t'es bien installé, Sterling? Là, je pense que tu peux démarrer. Ah non, on attend que madame tout de même utilise ce GPS. Si je peux vous donner un conseil, appuyez sur le petit bouton à droite. Ok, ah oui, c'est juste ici. Ah oui, voilà. Il est un petit peu plus sophistiqué celui-là. Ah, vous avez perdu votre accent, dis. Et c'est bon. Très bien, allez, on est parti. Et dis donc, moi, du coup, c'est quoi vos noms à vous? Alors, je présente d'abord mon collègue et associé qui est Eric Cooper. Alors, je ne lis pas sur un papier. Nous n'avons pas encore le permis, mais vous inquiétez pas, ça devrait bien se passer. Ok. Non, nous sommes avocats, nous connaissons nos métiers, madame. Nous sommes avocats, on connaît nos droits, madame. J'ai un appel, excusez-moi. Je vous en prie. Cyola? C'est un contresens. Non. Écoute, je suis avocat, je connais la loi. Oui, tu connais la justice. Regarde-moi, cette ville est belle. Il y a beaucoup de feux rouges quand même. Oui, et il y a beaucoup de. Il y a autant de feux rouges que de dossiers à faire. Ouais, à la limite, fais un petit truc, hein. Vas-y, bah, je finis un rendez-vous et attends un petit peu, ok? Parce que tu vas vraiment dormir. Nous sommes avocats, n'oubliez pas. Si vous voulez en parler à vos amis. Ouais, je suis avec des avocats là si t'as besoin. Ah bah non, t'es avocat aussi, c'est vrai. Bah, il est avocat aussi. Pardon! Pardon! Oh, c'est à gauche du coup, juste là. Excusez-moi hein, pour l'appel. Vous pouvez vous garer juste devant? Oui, donc, bah, là, c'est pas très légal, mais bon. Oh, c'est pas grave. Nous sommes avocats, nous connaissons nos droits, madame. Alors, attendez, il faut que je le guide. Un peu à droite, un peu à gauche. Attention, là. Non, laissez-le faire. Nous connaissons la loi, madame. Okay. Madame, nous sommes avocats, nous connaissons nos droits. Voilà, parfait. Voilà. Pardon, j'ai cru entendre votre conversation. Si. Je reste dans la voiture parce que j'en ai envie. Et du coup, je me posais la question. Allez, Sterling, il faut sortir parce que je vais d'accord, dans la voiture. D'accord, mais j'ai pas envie de marcher. Il faut y aller, Sterling. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'essaie de vous ouvrir la porte, mais j'ai pas envie non plus. Et vous inquiétez, c'est qu'il est, maniaco. Voilà. Il y a des moments où je veux plus marcher. C'est bon, là, je crois que c'est fermé. On y va. Je vous disais, madame, avant qu'on rentre visiter, j'ai cru entendre que votre ami était avocat. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce monsieur? Oh, je le connais pas forcément, c'est un client de l'agence. D'accord, quel est son nom? Je sais même pas comment il s'appelle. Mais vous allez sûrement le rencontrer. Hein. Je crois que vous n'êtes pas beaucoup d'avocats en ville. Il y a lui, il me semble. Et après, je rectifie, madame. Écoutez, madame. Nous sommes avocats, donc nous ne sommes pas beaucoup de bons avocats en ville. Voilà, c'est ça, je rectifie. Je dirais qu'on doit être deux, peut-être, à vue d'œil, mais écoutez, on va rentrer dans un plus tard. Vous pouvez nous emmener peut-être visiter notre demeure. Allez-y, suivez-moi. Bon, du coup, comme vous pouvez voir, le quartier, bon, il est assez. On est devant la place des Cubes, donc c'est. Voilà, je me déplace. Voilà. J'ai oublié mon attaché qu'elle met. On est devant la place des Cubes, donc il y a assez de mouvement. Comme vous voyez, il y a le parking juste là-bas. Et on a une banque juste là. Oui. Et on a le commissariat de l'autre côté. Très beau cube. Et le cube est magnifique. Ah, énorme cube, en effet. Hein. Oui, allons-y, oui. Sterling. Ce cube m'a mis en appétit. Je vous ouvre la porte. Hein. Bien sûr. Et que fait-on? Ne nous ouvrir. Émissaire, ça doit être cher quand même. On a quoi comme budget d'ailleurs? Bah, on a plus de ton budget, j'ai plus une thune. Laisse-moi faire, je suis avocat, je connais la loi. J'ai acheté le véhicule, j'ai plus une thune, hein. Bien sûr. C'est pour moi, là. Voilà, c'est pour moi. Ah, j'ai refusé apparemment. Madame, il faut ressortir maintenant. Donc, mon cher Cooper. Mais crois-tu qu'elle fait la visite toute seule? Je ne sais pas. Oui, je pense qu'elle nous a confondus. Elle va revenir, alors ça vous a plu? Ah bah on va dire oui. Bah oui, c'était... Parce que sinon on n'aura jamais les clés quand même, mon cher Sterling. Oui, enfin, on n'aura jamais les clés tout court, hein, vu le tarif. Oh, alors, bah, oh, c'était une belle visite. Il y a des petits soucis avec l'interphone, attendez, hein. Oui, d'accord. Tout à fait. On a eu le temps de mater le cube. Ah bah elle est partie. Bah d'accord, t'as laissé tomber ton attaché, qu'est-ce qu'il y a là? Oui, merci. Ok, on a réussi. Ah bah parfait. Montrez-moi alors, ça. Tout d'abord,
d'abord, nous commençons avec une sorte d'accueil. Donc, mais là, ça ressemble à Loco tout de même, j'ai bien l'impression, non? Oui, ça ressemble à Loco de l'agence immobilière. Ah oui, c'est un peu plus joli ici, je trouve. C'est le même architecte. Un peu plus joli. On aura une secrétaire, je pense, mon cher Sterling. Oui, je pense aussi. Il nous faut... De toute façon, il nous faudra des rendez-vous. Cette porte est condamnée, de toute évidence, on ne pourra pas entrer dedans. Donc là, du coup, vous avez le bureau principal. Alors ici, on a une petite dépendance. Donc avec... C'est un vestiaire. Donc des toilettes. Mais écoutez, vous me permettez d'emprunter les toilettes maintenant, je m'absente quelques minutes. Off. Parce que là, le voyage... Bon, je continue la visite sans toi. Hein. Voilà, vas-y, je te rejoins. Si vous voulez, ok. Ici, nous avons la douche. Est-ce que vous pouvez même prendre une douche si vous êtes stressé pendant une affaire, je sais pas. Hein. Très belle douche. On a l'autre côté. Vous voulez qu'on attende votre collègue? Non, vous inquiétez pas, okay. Vous inquiétez pas, il se perdra pas. Alors ici, nous avons une petite salle d'attente pour faire attendre vos clients. Très belle salle d'attente. Machine à café, petit micro-ondes si vous avez une pause repas. C'est du Senseo, dites voir. Si, bien sûr. Très bien, très bien. Vous pouvez aménager un peu. Ce qui est bien avec ces bureaux, c'est que, en soi, vous pouvez aussi y vivre, entre guillemets, dans le sens où si vous voulez manger ou vous faire une sieste, c'est possible, vous n'êtes pas obligé de retourner chez vous. D'accord, très bien en tout cas, ça me plaît beaucoup. Parlons des choses qui fâchent, le prix. 2000 euros par... 2000 dollars par jour. Pardon? Attendez, j'appelle mon patron, parce que peut-être qu'on a... Avec le gouvernement, vu que vous êtes avocat... Appelez le patron et le patron de votre patron, quand même. Twitter est très étrange. Oui. C'est Jackie? Oui, c'est rien. Elle m'a dit, elle m'a dit 2000 dollars par jour. Je lui ai dit d'appeler son patron. 2000 dollars par jour. Par rapport à quoi? Au jour, peut-être le calendrier Maya, je ne sais pas. Voilà. Vous avez oublié votre attaché caisse aux toilettes, je crois. Allez dans la voiture, toujours. D'accord, oui, c'est vrai. Excusez-moi. Moi, je ne se déplace pas. Prise d'otage à peu près par... Mais dis donc, à quoi sert le Weasel News s'il y a Twitter, j'ai envie de te dire. Bah écoutez, il n'y a pas grand-chose. Ça a des salaires un petit peu gratuitement ici. Oui. Weasel News, premier sur info. Ça stack en plus, a priori. On va peut-être devoir y aller, non? Voir un petit peu ce qui se passe, s'ils ont peut-être besoin d'un avocat. C'est une histoire de prise d'otage. Ouais, voilà, tout à fait. Oui, dites voir. Ok, alors. Donc du coup, il y a bien quelque chose. On peut bien faire quelque chose. J'ai appelé mon patron. On peut faire un échange de bons procédés. Donc on peut vous le louer gratuitement. T'entends ça, Sterling? J'entends. En échange, du coup, si on a un souci avec l'agence immobilière, donc que ce soit moi ou mon patron ou mon autre collègue, eh ben vous pouvez aussi nous représenter, du coup, gratuitement pro bono, comme on dit dans Vous êtes combien dans cette affaire? On est trois. Sterling, ça me paraît raisonnable. Vous êtes trois, On va en discuter. Venez, vous n'êtes pas une mafia, si je puis me permettre. Vous n'êtes pas non plus... Mais vous savez, en moins de temps qu'on a ouvert l'agence immobilière, on n'a jamais eu de problème. Hein, donc normalement, vous faites bien les choses, alors. Si, bien sûr. C'est si jamais un jour on a une affaire, comme ça on a une sorte de marché. Bien sûr. On va en parler deux minutes, on s'écarte, on revient tout de suite. Tiens, allez-y, prenez votre temps. Camélia, nous sommes pas loin. On n'a pas trop le choix, sinon on est là. Oui, voilà. Donc on fait style qu'on réfléchit. Écoutez, je suis avocat, je connais nos droits et je pense que ça me paraît. Voilà, on fait style de réfléchir. Voilà. Etc. Mais on accepte. Note qu'on accepte sans condition. C'est. Écoute, allez. C'est beau. Excusez-moi, Camélia. Alors, Camélia. Camélia. Où est-elle? Camélia, c'est grand, oui, c'est très grand. Oui, très donc, grand. Camélia, on a longtemps hésité, on a beaucoup réfléchi. Oui, selon les tenants et les aboutissants de la conversation, je dois vous avouer que c'est quoi un code rouge écarlate? Là, du coup, c'est qu'il y a de gros soucis dans la ville. À mon avis, il y a des baraquages ou des prises d'otages. C'est pour nous. Eh bien, écoutez. Des baraquages, c'est des gens qui se baraquent? C'est des musculateurs. Non, mais là, par contre, rouge écarlate, c'est qu'à mon avis, il doit avoir quelqu'un du gouvernement kidnappé ou je sais pas. Il doit avoir un. C'est pour nous. C'est une affaire. Là, ça. C'est pour vous aussi. Attendez, je tweet tout de suite, ne bougez pas. Oui, tu dis c'est pour nous. Tu dis. Attends, donne-moi mon propre numéro. Attendez, là c'est peut-être le moment de tweeter. Alors, Camélia, sachez Camilla, que. Nous... Si. Pardon. Camilla, excusez-moi, Camilla. Déjà, permettez-moi, ce n'est pas du tout. Alors, j'espère que vous n'avez pas mal interprété mes propos, mais sachez que vous êtes une charmante femme. Et nous acceptons votre offre. Écoute, je t'ai demandé mon numéro, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. Tu parleras plus tard. D'accord, autant pour moi, Cooper. Comme j'expliquais à l'instant, nous acceptons votre offre avec joie et nous serions fiers, nous, Sterling Cooper. Mon numéro, s'il te plaît, peux-tu me donner mon numéro? Ça fera pas trois fois. Non, sois sérieux un petit peu, on y va. Pardon, autant pour moi. Mais c'est que Camélia attendait, vois-tu. Vous inquiétez pas, j'ai un appel, excusez-moi. Vous pouvez appeler. C'est le 2872 à la fin. Hop! Je deviens un tweetos. Ah, c'est bien, vous vendez bien vos services en tout cas. Bien sûr. Oui, écoutez, il faut bien. Nous sommes professionnels, madame, nous connaissons très bien notre métier. Bon, écoutez, allons-y, on va retourner à l'agence, je vous fais le contrat et puis. Super. Allons-y. Vous avez un numéro de téléphone, puis on souhaite. On m'appelle déjà, ça va vite, hein. Oui, ça perd pas. Oui, alors. Non, attendez, venez. Bonsoir, c'est Zine. On va noter nos coordonnées. Oui, bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien, vous, votre véhicule, comment ça se passe? Ah, bah, c'est superbe, monsieur, c'est superbe. Y'a pas de soucis, je fais le SAV des fois.
aussi. D'accord. Oui, bah oui, SAV et SUV. Dites-moi, en quoi puis-je vous aider? Du coup, ouais, bah vu que vous êtes, enfin, vu qu'il n'y avait pas de soirée, du coup, après, bah, ils n'avaient pas votre numéro. Du oui. Coup, bah, je l'ai pris. Eh bah, du coup, bah, vous avez bien fait, monsieur. Envoyez-moi un message pour que je vous inscrive. Très bien, bah, c'est avec plaisir. Mais autant, je vais vous prendre comme avocat titulaire. Oui, oui, bien sûr. Mais vous en avez besoin. Vous dire le tarif non, non, moi, non, actuellement, non. Alors, mais écoutez, c'est au cas où. Tout dépend de l'affaire. On est dans une fourchette entre 5000 et 15000. Mais, ouais. Mais tout dépend de l'affaire. Hein, si... Enfin, vous inquiétez pas. Après, on peut s'arranger, hein, n'est-ce pas? Comme vous étiez arrangeant avec nous. Y'a pas de souci. Non, mais après, je préfère que vous gagnez votre pain. Moi, mon pain, ça va, je mets bien dans le fond. Eh ben, écoutez, merci. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à parler nous. Mais oui, y'a pas de souci, c'est avec plaisir. Peut-être dites-moi. Que ouais, je viendrai vous voir ce soir si bien vous sûr. Êtes un peu disponible après. Oui, oui, oui. Nous visitons notre local, donc on aura un local. Je note. Très bien. Bah, je vous envoie un message d'ici. Avec grand max, une trentaine de minutes. Très bien. C'était okay. Le concessionnaire. Très agréable. Ils veulent nous voir tout à l'heure dans une trentaine de minutes, paraît-il. Je pense qu'il va falloir vraiment qu'on recrute une secrétaire et qu'on ait de vrais rendez-vous, vois-tu ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je lui ai donné rendez-vous dans 30 minutes ici. Non, mais moi, je parle de rendez-vous. C'est bon, alors ? Oh, pardon ! Dites donc, calmez-vous, madame ! Excusez-moi, monsieur ! Oh là 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 ! Camélia, attends, tiens, cette attachée-caisse ! Excusez-moi, je vois que cette dame veut en découdre ! Est-ce que cette dame veut en découdre ? Non, non, non ! Je connais la loi, je connais ! Je suis avocat, madame ! Vous avez une très grosse mouche sur l'épaule, excusez-moi, j'ai la phobie des mouches, j'ai eu très peur, je vous ai tapé ! Excusez-moi, monsieur ! Écoutez, Camélia, je suis désolée, je pense que vous je me calme, excusez-moi ! C'est pas grave, c'est pas grave, j'ai toujours une deuxième, troisième personne. On efface l'éponge, mais le prochain mois de loyer, c'est vous qui nous le payez. Ah oui, vous payez pas, c'est gratuit. Ah, mes lunettes sont cassées, regardez l'état de mes lunettes maintenant. Excusez-moi, je vais vous les repayer, non, excusez-moi soucis, monsieur. Y a pas de soucis. En fait, dès que je vois une mouche, je ne retiens pas, je tape. N'allez jamais au Mexique du coup. C'est pour ça que j'ai quitté le Mexique. Hein. C'est d'accord, c'est pour les mouches, d'accord, on y va. Tu passes devant parce que j'ai pas envie de me prendre un coup. Laisse-moi passer entre les deux, de toute façon. En tout cas, le cube est magnifique. On vient me dire qu'il y avait des prises d'otages à la concessionnaire auto, donc faut pas y aller. Pardon ? On s'en occupe, on s'en occupe. On connaît notre. On connaît, ne vous inquiétez pas, on connaît la loi. C'est pour nous, madame. D'ailleurs, on va y aller de ce pas. J'espère que vous êtes quand même bien accrochés. Ah si, allons-y. Ne vous inquiétez pas, Camélia, nous vous protégeons avec le code pénal. Vous inquiétez pas que la justice sera toujours de notre côté, Camélia. Ah, croyez-moi que les articles de loi sont plus puissants que les balles. Oui. Vous avez de la famille ? Contactez-la maintenant, Camélia. Vous m'avez dit quoi, excusez-moi ? Je demandais si vous aviez de la famille, Camélia. Ah non, non, non. Ah bah ça tombe très bien. Ah bah bien. Tant mieux, y'a personne après vous, du coup. Oula, de quoi ? Nous connaissons la loi, ne vous inquiétez pas, Camélia, on s'occupe de tout. Oh, ok. Vous êtes célibataire, peut-être ? Si, bien sûr. Je le note dans mon calepin. Voilà, ma petite Camélia, je vous laisse sortir. N'oubliez pas, vous mettrez ça au nom de Rick Cooper. Malheureusement, on peut pas vous suivre. On doit aller suivre l'affaire au concessionnaire. Oui, oui, oui. Retourner à l'intérieur devant, peut-être. On se rappelle très vite. Bah oui, mais j'ai besoin de vous pour faire le. J'en ai vraiment pour 5 minutes, hein. Ça prend 2 secondes. Allez. Okay. Allez. On est pas. Allons-y, on se dépêche, on se dépêche. Allez, on se dépêche. Bonjour. On va faire vite. C'est pour vous le. Oui, c'est pour moi, c'est ça. Ok, allez-y, suivez-moi. Je fais vite, hein. Alors, le petit contrat. Rick Cooper, vous m'avez dit. Oui. Hop, ok. Rick Cooper, alors, Emissary Office. Donc, du coup, on paye pas, c'est gratuit. Ok, ok, on est bon. Ok, voilà, normalement c'est bon, vous avez eu les clés ? Superbe ! Ok, donc du coup, pour le donner à Monsieur Sterling, vous savez comment on fait ou pas ? Oui, on va trouver. Comment fait-on ? C'est dans on les poches, mais on connaît pas les clés. Ok, c'est très bien. Vous allez dans votre bureau, du coup, vous allez à l'endroit ici, derrière votre bureau où on est. Oui, oui, oui. Et voilà, bah, vous allez trouver un double de clés et vous lui donnez. Oh, dites donc, c'est super bien fait. Très bien. J'avais juste à les ramasser, quoi, en fait. Si, voilà, mais vous devez y aller à votre bureau, du coup. Eh ben, dites donc. Merci beaucoup. Bah, écoutez, bon courage pour vos affaires, hein, en espérant que ça mord, hein, comme on dit. Ah, ça mord bien. Ça mord déjà pas mal. Croyez-moi que t'as mort. Profitez-en. Allez, merci bonne soirée. Merci beaucoup, Camélia. Allez-y, bonne soirée, bon courage. Et bonne soirée à vous. Eh ben, très agréable, cette dame. Ah oui, très gentil. Et notre voiture tu as fait a disparu. Tomber ton attaché-caisse, regarde ça. Oui, mais ma voiture a disparu. Et que fait-on quand la voiture disparaît ? Je l'avais verrouillée, hein, j'en suis sûr. Hein. Oui, oui, non, mais je... Ah bah non, elle est là, qu'est-ce que tu racontes ? Ah bah dites donc, bah oui. Oui, bah non, mais en fait, c'est le camouflage du véhicule, mais on dirait vraiment que c'est des dalles, c'est incroyable. Ouh là là. Bon, allez, rendons-nous à Wesel News, promis sur l'info, en direct, au Twitter, de la prise de... Bon, rendons-nous à cette prise... Oui, non, cette fois, hop, c'est vraiment pas des sièges très confortables au premier abord. Allez, oui, dites-moi où c'est. Je ne sais pas. Le concessionnaire. Le concessionnaire, mais c'est là où on était tout à l'heure, finalement.
Oui, dites-moi. Allez-y, n'hésitez pas à utiliser le GPS, Sterling. Vous parlez au GPS. Du coup, il y a des bureaux d'avocats sur la carte. Je suis très choqué. Et je veux que moi, ça soit signifié nos bureaux à nous. Oui, ben non. Allez, il faut aller concessionnaire, s'il te plaît. Allez, mais attends, je regarde. Je me tais. Tu sais que l'affaire aura le temps d'être résolue hein, d'ici là, hein. Je pense que c'est maintenant que nous devons y aller, hein, mon cher Sterling. C'est parti. Mets le carburateur. Allez, c'est parti, à fond les ballons. Ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé sur un cas de prise d'otage. Bah, dis donc. Oh là là. À gauche. Oh là, c'est ici. Bah c'est là. Oh, nous y sommes. Oh bah dites donc, c'est une belle prise d'otage. Magnifique. On fait quoi? Et bah, il y a certainement un commandant aussi. Ah bah regarde, ils vont venir du zone. Bah non, il vient pas.